meilleur ouvrier de France dans une discipline qui intéresse beaucoup la restauration des bâtiments anciens, plâtrier, staffeur. Oui, ouais. Qui une collection de Marianne, et donc nous sommes en train de faire un musée Marianne qui verra son jour en 2025. Très, très heureux et très fier d'être origine du symbole de la République. Avec un livre comme support, tout est écrit là, il n'y a rien de plus. Et il faut pouvoir, avec sa propre liberté de conscience, interpréter ce qui est écrit là. Ce qui fait que l'on dit souvent que tout protestant est prêtre. Alors oui, il y a des pasteurs qui font des études poussées pour pouvoir mieux interpréter et mieux guider les fidèles. Mais tout protestant, à la fin d'un culte, peut aller voir le pasteur et lui dire « Je ne suis pas d'accord. Je n'aurais pas interprété ce texte comme cela. » Cela dure depuis le XVIe siècle et ça continue encore aujourd'hui. C'est toujours le même principe. Vraisemblablement à la famille d'Humbert de Cornéan, puisque dans les années 1630, le moulin qui dépend de la maison d'Anguibo a été vendu parce qu'il avait son fils au service militaire, mais surtout parce qu'il pratiquait la religion protestante. Donc ils ont réussi, hein, ça a bien fonctionné. Par les lettres, je sais que mon grand-père est parti à Paris à l'exposition au Salon de l'agriculture de l'époque, qui a été instaurée dans les années 1850, par là. Il a exposé trois panneaux qui sont partis par la gare de l'Albarède. Alors, il faut savoir qu'une centrale hydroélectrique, il y a beaucoup d'appareils, il y a beaucoup d'appareils électriques à installer, et tout ça a été convoyé depuis la gare de l'Albarède. Et on lui doit que ces messieurs aujourd'hui sont toujours habillés d'une manière assez. S'ils ont voulu vraiment qu'ils soient en or et blanc, c'est un doute total. Ah.